Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode d'Astroneer, chers amis. Donc nous décollons, cette fois-ci nous décollons, voilà. Nous retournons si possible sur la première planète, la planète de base si je puis dire. Vous voyez qu'on est à portée de plein d'autres planètes, c'est vraiment quand même super cool comme jeu, je veux pas dire mais... J'espère que je ne me suis pas planté en faisant ça. Apparemment nous avons une base ici, nous avons une base dans l'air. What? Terrestre. Il me semble qu'on avait un truc sur le truc terrestre. Je ne sais plus. Normalement oui, hein, forcément. Voilà. Orbite terrestre. Et maintenant? Et j'ai plus qu'à retrouver la base. Ok. Ok, capiche. Capiche, capiche. J'ai un petit peu de charbon, j'ai un petit peu d'aluminium, j'ai beaucoup de résine. Pile poil ce que je cherche. Bon, on y va. Waouh. C'est... Oh, j'allais dire c'est pas si mal fait, mais... Malheureusement, c'est pas parfait pour autant. Ok. Ok, ok. Son emplacement m'embête. Son emplacement m'embête complètement. Ça va me poser un problème, ça, monsieur. Le fait est que je suis dans le câble, monsieur. Monsieur, on va revenir au menu principal. On va relancer le truc. Ça me pose un problème. Je me suis encastré dans la machine. Littéralement encastré dedans. Tu veux bien me renvoyer sur ma planète, s'il te plaît? Voilà, nous sommes le 2 janvier, comme vous pouvez le voir. Surtout, dites-moi si le clavier est trop fort. Je me renseigne pour des claviers, mais le problème, c'est que ça coûte extrêmement cher, un clavier. Enfin, un clavier... silencieux et réactif. Oh là là, même problème. Non, c'est bon. Bah, je commence à comprendre pourquoi il me faut un treuil. Hein. Soyons honnêtes. Ok. Stockage de cuivre. Nous avons de l'énergie à foison. De la recherche possible. Ça, c'était quoi? Une fonderie. Effectivement, ça pourrait être intéressant. Et là, donc, stockage, ça m'intéresse pas. Éolienne, ça m'intéresse pas. Batterie, ça m'intéresse pas. Ça pourrait m'intéresser. Générateur, habitat, une place, treuil, ça pourrait m'intéresser. Le problème, c'est que c'est pas vraiment ce que je cherche. Putain, je me rappelais pas qu'il y avait ça par là. Là-bas, il y a de l'énergie. J'ai bien envie de partir par là. Il va me falloir du composite. Hein. Il va me falloir du composite à foison. Hop. La résine, c'est bon, j'en ai. Je pourrais même dire que j'en ai un petit paquet. Bon, je reverrai ça tout à l'heure. Il va vraiment me falloir du composite. Où est mon une place? Le une place qui me sert normalement à me déplacer. Ah là. Ok. Cool. Au niveau du camion, s'il te plaît. C'est parce que je peux plus sauter, d'accord. Oui, bah si tu veux, écoute. Hein. Ah non, au niveau du camion, j'ai dit, effectivement. C'est moi qui raconte de la merde. Hop, ok. On va partir par là. Du composite, parfait. C'est pile poil ce que je recherche. Hop. Arrêtez de me spoiler ce qui peut arriver dans le jeu, chers amis, hein, ça serait sympa aussi. Parce qu'il y a des trucs que je veux découvrir aussi. Hein. Comme n'importe lequel d'entre vous, chers amis. Hop. Et surtout, à ceux à qui je dis surtout ne me spoil pas, et qui dit non mais c'est pas du spoil, je te dis ça. Si, c'est du spoil. Et à partir du moment où vous me dites un truc que je ne sais pas, c'est du spoil. Même si c'est qu'une technologie, même si c'est rien du tout, c'est du spoil.
Je le recharge ou c'est lui qui me recharge? J'imagine que c'est lui qui se recharge tout seul. Falloir qu'on lui mette de vrais panneaux solaires. Pas au passage, chers amis, hein, quand même. Hein. Donc, apparemment, il n'y a plus rien par là. Ok. J'ai pas compris encore ce que fait cet outil véritablement. Oh! Bah, je crois que je suis en train de comprendre. Il est capable de refermer les trous littéralement. Ok, cool. Ok. Je vois qu'il y a aussi des choses ici. Chose que je vais m'empresser de prendre. Encore du composite, c'est génial. Je vais être full composite, c'est pas grave. Alors je crois que le ciel est en train de s'assombrir. Ce qui pue un peu du cul. Ok, alors, le composite. On va charger full composite. Mais non, je sais bien que c'est du composite. J'aimerais juste que tu le prennes. Mais je sais bien, je voudrais juste que tu le prennes. Voilà. Et tant qu'il y a du soleil, j'aimerais retourner à la base. Ça peut vous sembler anodin, mais je ne veux pas risquer la moindre chose. Alors, où est-ce que sont les... D'accord. Oui, tu m'embêtes là parce que du coup, c'est plutôt celui-là qui m'intéresse. Ouais. Ok, on va peut-être mettre une station, enfin le truc spatial ici en fait finalement. Mais lui il m'embête clairement. Il va me falloir le treuil, j'ai du mal à le dire mais il va me falloir le treuil. Hein. Il va falloir qu'il se repompe tout seul. Bon, d'accord. En termes de composite maintenant, j'ai ce qu'il faut. On a encore plus sur moi. Donc là, on a le une place. Là, on a le treuil, il me demande du titane. Panneau solaire, voilà, il me demande du composite. Ça tombe bien, c'est ce que j'ai en trop. Et j'aimerais remplacer le panneau, donc le petit panneau solaire que j'ai sur le truc, par le gros qu'on peut voir ici, qui est en train de se construire. Je pense que ça me semble être une bonne idée. En termes de capacité... je vais appeler ça de la capacité énergétique. Mais c'est pas véritablement ça. Quoique. Voilà. Il faudra peut-être voir aussi pour de l'éolien. Sur le coup. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du une place ici. Il y avait un truc que j'avais pas retrouvé, il me semble, de mémoire. Stockage. Une place, stockage, une place, stockage, une place. Bon, avec ça, finalement. Ah, plus d'énergie du tout là-dedans. Vas-y, pompe. C'est pas grave. Ok, ça m'en fait toujours deux, mais j'aurais bien aimé pouvoir voir ce que j'avais de disponible en fait, ça le truc. Mais il y a un truc là-bas. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est de l'oxygène. J'y ai presque cru l'espace d'un instant.
Ah par contre je trouve qu'il a maintenant le jeu a des problèmes pour mettre ça dans le dos tout seul. Ah non. J'ai rien dit. J'ai strictement rien dit, chers amis. Vous inquiétez pas. Voilà. Donc ça jusque là ça m'intéresse pas. En termes d'énergie, vas-tu commencer à monter ou pas? Ah j'avais pas vu mais je peux mettre de l'énergie. Je peux mettre un truc ici aussi à l'arrière. Ah. Non, il veut pas. Il veut pas. On a de l'oxygène là-bas. Faudrait que je prenne une direction et que je parte avec, mais. Le problème c'est que vous voyez, il se recharge pas des masses là. Allez, soyons fous. Non, avant d'être fou, j'aimerais être intelligent et y placer une balise. Je sais pas si ce sera visuellement faisable. Mais je dois être sûr de la direction où je vais. Il faut que ce soit placé là, non? Je sais pas comment ça marche. J'espère que ça fonctionne quelle que soit la hauteur. Faudrait la, pas la perdre de vue, la balise, la maison. Là, je la vois déjà plus, vous voyez. Donc, comme quoi. Faut pas se fier à tout ça. Donc ça c'est la caverne qu'on connaît bien. Là il y a de l'énergie. Là il y a du truc, du composite. Là il y a un vaisseau écrasé, voilà ce que je recherche. Bon, apparemment je vois toujours plus ou moins ce qu'il y a à trouver. Ah, par contre c'est que j'ai plus l'accès au soleil là pour le coup. Voilà, vas-y, pompe. Solairement parlant, pompe. Là, il y a de la carcasse, mais il n'y a rien dessous. Là, nous avons littéralement quelque chose d'intéressant. Qui ressemble à une capsule de sauvetage, d'ailleurs, c'est rigolo. Hop, veux-tu bien te placer? Merci. Crac. Non, la portée du truc est quand même pas mal, hein. Je veux pas dire, mais... Non, rien par là. Alors je sais pas s'il y en a plus d'un, si... Si c'est véritablement intéressant de creuser autour. S'il y a moyen de trouver quelque chose. Apparemment, il y a moyen. Oh la vache. Il y a même complètement moyen. Je suis full aluminium. Alors par contre, oui, j'aimerais bien. Titane. Le reste, c'est du composite. Je vais aller mettre ça sur place. Hop. Crac. Ça recharge bien, ça recharge bien. Donc je pourrais survivre en fait... autour de mon truc. Ce qui est assez cool. De toute façon, là, je suis pratiquement full de chez full. Donc là, je pourrais presque rentrer. Une espèce de micro-caverne là, je vais aller voir. Histoire d'être sûr. Alors là, pour le coup, ça m'intrigue. L'oxygène et une bouboule, vous voyez. Ça valait le coup, ça valait le coup. Alors je sais pas s'il nous indique constamment, mais ça serait vraiment prévu, vraiment bien. Vraiment très très bien. Ok. Bah jusque là franchement... Oh. J'ai l'impression qu'on s'en sort pas si mal. Ok, on est bon. Direction la maison. C'est parti. Donc on peut survivre avec seulement notre véhicule. Parce qu'il recycle l'air, apparemment. Oula, trou. Ah oui, ça se contrôle à la caméra aussi. Ok. Cool. Cool. Du coup, voilà.
Et donc nous avons des choses à rechercher, effectivement. Pensons-y. Ça c'est intéressant pour le truc. Voilà. Crac. Hop, vas-y, fais péter. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est tellement serré dans le coin, n'empêche. Vaisseau spatial. What? Faudrait que tu te bouges, toi, Timon. Il va me falloir un treuil. Est-ce que je vais avoir du titane? Treuil, titane. J'en ai dans le dos, non? Titane, c'est de l'oxygène. Que j'en ai à foutre de l'oxygène. Titane, 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 titane. Vas-y, fais péter avec le treuil, je vais devoir virer le... À quoi ça va véritablement me servir? J'en sais strictement rien. Est-ce que ça va marcher seulement? Parce que je prends ça en me disant que je vais pouvoir virer le premier véhicule de devant. Mais est-ce que c'est véritablement ça? Est-ce que c'est pas plutôt pour retirer quelque chose? Oh là 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 là. Je sais pas du tout comment c'est censé marcher. Est-ce que je peux le treuiller? Comment ça marche? Comment ça marche? Comment ça marche le treuil? Comment ça marche? Dis-moi tout. Non mais t'en vas pas! T'en vas pas! Astronir Wiki. Hop. Treuil. Est-ce que la page elle existe? Printer, lithium, coal. Ah! Attendez, peut-être que dans Research. Parce que c'est là-dedans que je l'ai eu. Non? Non. Non, 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 non. 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 Module. Module, 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 module. Qui est des modules utilisables. Fonderie, imprimante. Imprimante. Dans l'imprimante. Non, c'est dans objet. Wouhou. Sac à dos, imprimante, batterie. Treuil. Ah, attendez. Ah, pas de page! Gamepedia, c'est pas grave, ce sera en anglais. Comment on dit treuil en anglais? Je sais pas, c'est pas grave. Équipement. Ça ressemble pas à ce que je cherche. Dynamite? Non. Ah! Outil. Deforming tool, mining drill, c'est pas ça. Véhicule, ressources, recherche. Ah. À l'instant, je fais une ellipse. Re, chers amis, donc, j'ai trouvé. Hop. Ah oui, c'est vrai, faut que je parte par là. Et ça ne marche pas. C'était pour ça que je l'avais fait, mais apparemment, je peux pas. Je peux prendre que. Ah. Je peux pas la déplacer du tout alors. Donc ça m'a bloqué littéralement un truc de... Oh, c'est fou ça. C'est du composite, ça c'est du composite, il me faudrait de la résine. Je peux pas la déplacer du tout. Mais je peux le recharger là-dessus, d'accord, ok. Mais il n'empêche que ça me bloque le truc. Ça me bloque entièrement le machin. C'est dommage. Oh non, puis ça me rebloque dans le truc. Ah. Je vais te refaire une. Voilà, attendez. Non, non, ça me rebloque complètement dedans. Ok, bon bah revenir au menu principal.
vérifie. Apparemment, on peut le bourrer en tapant dedans assez fort. Mais c'est le seul moyen. Fou, c'est la dèche, hein. C'est la grosse, grosse dèche, chers amis. Alors, je suis toujours dans le cadre. Oui, je suis toujours dans le cadre. Parfait. Faut que je me pose correctement. Vous voyez, si je suis droit, en fait, ça passe. Plus. Hop. Bon, bah, écoute, on retourne dans le jeu, hein. Hop. Merci. Merci. Ok. Donc, il va falloir que je bourre suffisamment fort dans le truc. Bon, on va quand même mettre l'autre truc à rechercher. Hop. Mais ça m'étonne. Oula. Marcus ? Oh la vache ! Ah, j'aurais voulu le faire que j'y serais peut-être pas arrivé. Hein. Allez, vas-y, roule. Roule, 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 roule. Ah non. Non, ça marche pas, hein. Je suis désolé. Ah si, putain, ça le bouge. Ah la vache. Si je fais... Faut que je sorte. Faire ça. On y va. Si je tire suffisamment dessus. Ah, c'est lui qui me ramène quoi. Oh, c'est casse-gueule hein, je veux pas dire. Mais là votre gameplay il me la fout droit dans le cul. Hein. Je ne veux pas dire mais là c'est un peu du foutage de gueule là. Ok. Ok, ok. Bon, bah, qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Du cuivre. Génial. Du coup, je l'ai encore profondément dans le fion. Ok. Ouais. On va retourner voir par là. Alors là, il veut plus parce que justement le machin me la grabe. Ok, on y retourne. Je vais bien réussir à le remettre sur les roues, l'autre, hein, non? Non? Non, c'est vrai que ça roule mieux comme ça, limite, hein, en plus, hein. Mais genre si je veux je peux ramener la moitié du vaisseau comme ça en fait. C'est ce que le jeu est en train de me dire. Ah, il y avait un caillou apparemment. Ok, bon on fait un petit peu d'explo du coup. Bon écoutez, ça me dérange pas. Il y a des choses à droite à gauche cela dit. Hein. Je vais commencer par la droite. Et on va plus... Si on voit encore. De toute façon, peut-être que la balise se voit. Alors là, par contre, il y a un truc intéressant. Il y a même des choses intéressantes. Ouais. Non, merci. Voilà. Il n'est pas libre. Voilà, là, il est libre de ses mouvements. Ça prend tellement de place aussi, tout ça. Solaire, composite, composite. Est-ce que je pourrais pas faire un petit quelque chose avec tout ça? Balise, girouette, générateur. Générateur, carrément. Filtre, non. Pile, non. Réservoir, non. Rallonge, oui. Ça pourrait être intéressant d'avoir des rallonges supplémentaires. Excusez-moi. Et apparemment, là-dedans, on a du lithium. Ce qui peut être intéressant. Du cuivre et du liquide. J'aimerais juste vérifier qu'il n'y a rien d'autre. Je sais pas si c'est véritablement utile de creuser, en fait. C'est ça le truc. Ok. Je suis curieux d'aller voir quand même ce qu'il y a là-bas. Ce que c'est que ce truc.
Il y a encore une espèce de formation étrange. Y a-t-il des... Alors apparemment il y a des choses à casser ou à emmener. Qu'est-ce que ça? Putain, c'est un gisement de résine. Chers amis, je peux choper en fait une infinité de résine qui repop ici. Si je me trompe pas. Waouh, bah dis donc, si c'est le cas, on a du bol. Alors là, c'est balise aussi, là. Hein. Je sais pas si c'est véritablement utile d'en avoir, mais... Je sais pas du tout comment ça fonctionne. Je sais pas si je peux la mettre juste là, par exemple. Je sais pas s'il faut qu'elle soit sous énergie ou pas. Mais alors là, moi, ça me fait plaisir de trouver ça, quoi, parce que c'est... Ah. D'accord. Toujours aussi malin, mon pote, hein. Ah, tu peux pas la poser? On mène là, hop. Par contre, vu qu'on a plus d'énergie, je vous rappelle qu'on a un problème d'énergie avec ce véhicule, retrouver la maison. Tant qu'on en peut en récupérer encore, parce que sinon on va tomber en panne. Et ce serait véritablement dommage. Vous voyez là, on a plus de d'énergie. Bon, il y en a encore un petit peu quand on arrive à passer par dessus, mais... Putain, mais là-bas aussi il y en a en fait. Donc un peu plus loin, il y a des... Un peu plus loin, beaucoup plus loin, il y a des minerais d'énergie. Enfin, des... Comment ça s'appelle? Ah, merde. Quand on a un coin à quelque chose, c'est un filon d'énergie. Oh là là, le véhicule en chie dans les cailloux. Allez, roule Marcus, roule. T'as plus d'énergie, là tu survis sur tes batteries, là, littéralement. Alors la question, c'est de savoir aussi, c'est si j'ai plus de piles, est-ce qu'il continue à fournir de l'oxygène? Est-ce que je peux survivre ou pas si je n'ai plus d'oxygène dedans? Ok, donc on a trouvé une résine en quantité incroyable. Ça vaudrait presque le coup d'aller coloniser l'endroit. Ok. Crac. Treuil, donc treuil pour l'instant, pas super utile. Est-ce que j'ai de la résine? Panneau solaire. Ah oui, déjà j'ai ça. Déjà j'ai ça à aller mettre ici. Non? Tu veux plus? Ça y est. Il a daigné accepter. Hop, vas-y, cherche. Qu'est-ce que ce sera? Je suis tombé en panne? Ah non, d'accord, il y avait du composite dedans en fait. Pourquoi pas, si tu veux. Si tu veux. On a quand même trouvé vaisseau spatial. Donc ça m'inquiète. Pardon. Ah, c'est peut-être là-dedans, remarque. Une place, habitat, générateur, batterie, éolienne, stockage, panneau solaire, treuil. Non! Il faudra donc que je me fasse chier à avoir un... Oh là là. J'en ai pas d'autres. Ouais, peut-être sur le dos du truc, je sais plus si j'en ai remis là. Composite. Apparemment non. Résine, non, c'est là où il y en avait. Donc là où potentiellement il y en a encore apparemment, mais... Le jeu a pas l'air d'accord. Du lithium, c'est ce que je mettrai dans mes piles plus tard. Ok. Non, c'est pas ce que je voulais faire à la base. Laisse béton. Voilà. Et là, il ne nous donne pas plus d'énergie que ça. Ok, bon. On n'est pas dans le caca. Ok. Nous sommes toujours à 10 minutes d'enregistrement. En tout cas, je trouve pas véritablement ce que je veux. Ça m'embête. En termes d'énergie, je pourrais peut-être récupérer l'énergie qui est ici. Et pourquoi pas essayer de la mettre directement dedans ? Ça marche assez bien. En termes de composite, j'aimerais le poser quelque part parce que je suis full de chez full. Vas-y, fais péter, c'est pas grave. Rallonge, je les garde. Oxygène, j'en ai absolument pas besoin. Tiens, tu peux les mettre là. Composite, je vais le poser là. Composite, je vais le poser là. Là, t'es en train de me dire que j'ai de l'énergie supplémentaire ici. D'accord. Donc j'ai ce qu'il faut, littéralement, j'ai ce qu'il faut. On y va. On y retourne. La balise est visible, donc ça c'est cool. Donc pas besoin d'avoir une valise à la maison, finalement.
La balise est visible. C'est assez cool. Bon, il y a tellement de choses devant moi et dedans moi que ça ne me plaît pas. Oula. Ah, je peux... D'accord. Ah, il me semblait en avoir vu un autre gisement de résine. Là. Parfait. Ah non, c'est pas de la résine, c'est du composite celui-là, je crois. On va voir. Voilà. D'accord, il suffit de... Hop, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une autre balise. Ce qui va me libérer un petit peu d'espace aussi, au passage. Et la balise, je vais la placer... La balise ? Je vais la placer ici aussi. Crac. Ce qui n'est pas trop trop mal. En termes d'énergie, je peux peut-être le laisser pomper un petit peu ceci. Ce qui fait que j'ai de la place pour les deux composites ici. Ok. On se débrouille pas trop trop mal. J'aimerais continuer à explorer dans le coin. Il y a des choses là que j'avais pas vues. C'est juste des formations ou... C'est juste des formations, ok. Ah, les balises se voient de loin, c'est cool. Est-ce qu'il reste autre chose au loin à voir, à explorer, ramener des choses, ça me plairait. Ça me plairait même assez, je dirais. Change de biome, c'est intéressant. Bon, on en chie aussi au niveau du... Alors, on a un autre vaisseau. Donc je vais me dépêcher d'y aller. Ah là là, c'est caillouteux par là, hein. Je veux pas dire, hein. Ok, donc on voit encore tout ça. Parfait. Oh, on a l'aluminium à chier aussi. À plus savoir quoi en foutre, comme on dit, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a tout autour de ça? Ouh, c'est un deux places. Non, c'est un une place. Résine. Je préférerais ne pas l'avoir. Je peux pas la remettre. Merde. Maintenant que j'ai les... Titane, ça peut être pratique. Sachant que j'en ai gaspillé plus ou moins un. Cuivre, je vais le prendre aussi. Ah, ça m'embête de le prendre, le cuivre. Parce que si jamais je trouve autre chose, il va falloir que je fasse de l'aluminium. Ça, je vais le prendre aussi. Ça m'embête de le prendre aussi d'ailleurs, comme je l'ai déjà dit. Remarque, je peux peut-être graber un truc avec le... Je peux peut-être graber le reste, on va bien voir. Si je suis assez près, de toute façon je recharge, donc c'est pas grave. Comme vous pouvez le voir. Ok. J'hésite. J'hésite à refaire une balise en fait. Et que ces balises vont faire en fait une suite de commandes de points finalement. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pourrais toujours aller de plus en plus loin dans cette direction tout en remontant ma propre piste. Excusez-moi. Oui, par exemple, je sais que si je vais par là, je vais plus ou moins retrouver ma base. J'avais pas vu cette... Hop. Oui, bah elle est juste en face en fait la base. Ok, par contre oui, c'est... Oh la vache, il y a encore un truc ici. Ou c'est le truc que j'ai déjà vu? Je crois que c'est le truc que j'ai déjà vu. C'est le celui que j'ai déjà vu. Vous voyez comme quoi? Hop. Ici, c'est notre première balise. Et vous voyez, dans le fond, on a des autres trucs. Oh là-bas, juste à côté, il y en avait un, regardez. Un vaisseau écrasé. Que je vais pas pouvoir emmener, malheureusement.
Quoi que ça dépend de ce que j'ai comme place sur moi. De toute façon, il n'y a que le vaisseau, j'ai l'impression. Rien d'autre avec. Est-ce que je vais pouvoir... Oh, non, je vais pas pouvoir l'emmener. Quel dommage. Oh, je pouvais le... Ah, ici, il y avait quelque chose. Oh, là aussi. Ah, la vache. Faut absolument que je revienne ici. Balise. Oui, finalement, on finit par utiliser tous les objets qu'on pensait pas utiliser un jour. Donc, c'est assez cool. Alors, bien sûr, les balises, cette balise-là, pardon, je vais la récupérer. Pourquoi je vais la récupérer? Parce que de toute façon, au bout d'un moment, elle me sera complètement inutile. Elle m'emmènera vers un endroit que j'aurai vidé, littéralement. Donc, d'un point de vue pratique, complètement inutile. Hop, voilà, on est bon. Crac. Donc, on a un objet à rechercher. Avec un peu de chance, on va tomber sur quelque chose d'intéressant. Ici, crac. On en est où en termes d'épisode? 17 minutes. Je sais plus si j'ai tourné. J'avais fait une ellipse avant. Je sais plus. Je sais plus. Dommage. Je ne sais plus du tout. Forêt. Oh, le forêt de... Alors vous voyez, par exemple, ça c'est un spoil. Ça c'est juste un spoil, chers amis, qu'on m'a fait, malheureusement. C'est un forêt. Alors là, je peux pas le changer, par exemple. Je sais pas s'il va être là. Forêt. Cuivre, cuivre. Je crois que j'ai un cuivre sur moi, ça va être pratique. Et je sais pas où serait l'autre. Ici, parfait. Alors, le problème, c'est que vous allez voir que le forêt ne fonctionnera pas tout seul. Alors, le forêt, c'est quoi? C'est tout simplement... un forêt pour véhicule. Je peux pas, malheureusement, je peux pas trouver d'autres moyens de le dire. Hein, mais il y a rarement des choses plus pratiques, hein, pour le coup. Oh la vache, il peut aller en tout droit. Mais est-ce que c'est véritablement utile? Oh, oh, si ça marche. Oh, mais alors si ça, ça marche. Panneau solaire. Attendez, faut que je regarde comment fonctionne le forêt. Tools. Mining drill. Click and hold. Apparemment. Oh! 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 Ce qui veut dire que... Oh! Oh que c'est bon! Marche pas sur les cailloux, dommage. C'est tellement pratique sur les cailloux. Ok. Ok, ok. Bon, bah c'est pas si mal, finalement. On aura trouvé des choses intéressantes. Ah oui, ça marche bien. Ça marche très très bien. Bon, c'est pas comme ça que ça marche, malheureusement, pour nous, mais sur ce principe-là, ça marche très très bien. Ok. Nous avons un point, normalement, ça, je pense que ça va être celui-ci. Que nous allons aller rechercher très très vite. On va se garer pour le moment. Crac. Le problème, c'est que je ne sais pas du tout où en est mon épisode, là, en termes de temps. En termes de durabilité. On essaie de comprendre comment fonctionne le terrain, mais... Ok, bon, c'est pas grave. Ok. Je sais pas du tout combien de temps dure mon épisode, donc je pense que je vais le stopper là, les amis. Merci de l'avoir regardé, en tout cas, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens, et yop!